Yo, what's up les gamers, j'espère que vous allez bien, surtout aujourd'hui pour une vidéo pillage, pour ma série de pillage. Soit en gros, je suis accompagné du seul et unique, le Love Chuck, le seul et unique, le Chuck Norris de l'internet, les amis. What's up, mon allô, boy? Allô tout le monde, nice ici. C'est la famille, wesh. Je suis rendu un français, Ouais. Est-ce que tu es mangeur de baguettes en marde? Bref, on a trouvé une faction. J'ai trouvé une faction. Ouais, j'ai trouvé une faction, la Skill Fight, so, elle a l'air d'être par là. Donc, le concept est simple, on suit le trajet. Ouais. Et pour ceux en qui gros, ça, c'est moi qui l'ai... Sur mon compte. Ouais. Vas-y, explique. Ouais, ben, c'est que genre... Un, j'ai changé mon nom sur mon compte. Là, sur mon compte et mon alt. Puis les deux étaient déjà registrés. Il fallut que j'essaye sur ce compte-là ici, avec un compte d'un ami. Il m'avait dit qu'il fallait plus que j'emprunte son compte parce que, genre, j'avais juste emprunté pour l'aider à quelque chose. Il m'a dit de plus l'emprunter. Mais il saura jamais parce qu'il parle pas en français. Fait que ça passe. What? Quoi? Ah oh, ben on est rendu, man. What the fuck? Check le gars, il a fait un chemin jusque là. Oh, si tu l'attardais, on peut mettre la TNT là. Attends, on va faire un petit canon. Puis on va pouvoir péter les trucs pour rentrer. Que faut que je recule, je suppose. Ouais, exactement. T'as vu, je suis un grand joueur. Viens te battre, tu vas perdre. Ok. Oh là là, attention, je crois qu'on a des... On a affaire à des togs là. Ouais, esti. Ça a même pas explosé. Ça a-tu explosé? Je sais pas, attends. Puis je m'étais genre bloqué, j'avais pas de pioche, puis je me suis bloqué. Fait que... Fais cet HK de pillage au guerrier au pire. Ok, ben non, donc moi je suis un top, ok, j'ai pas besoin de ces kits là. Ici, il y a de l'air avoir de l'eau. Qui a pété ici. Sérieux? En tout cas, je... Ben, ouais, ok, y a, c'est good, ouais, t'as raison, y'en a un qui a cassé en bas. Ça, depuis, c'est good. Je suis un professionnel, ok, je vois en 2015. Avoue que c'est compliqué, c'est hein. Genre, on s'en souvient jamais, man. Fuck. Chombé. Trop parcours. HDFR. Premium plus plus. Oh, c'est good, je pense qu'on l'a eu. Ah non, y a de la bedrock là au bas aussi. Ah ben, calice. Est-ce qu'on peut la péter la bedrock quand même? Ouais. Ça va juste être un peu plus long. On va y arriver, quelque chose pas mon boy. Je suis pas un nouveau sur le serveur, au passage, tu sais. Ben non, bien entendu. Non, mais les amis, pendant ce temps-là, Chuck va vous expliquer la chaîne communautaire Love Chuck. Je sais pas trop, là. Vas-y, je te laisse expliquer tout ça, puis... vas-y, je vous invite à aller poster vos vidéos et tout. Ben, enfin, bon, tu peux expliquer, vas-y, t'es capable. Ok, c'est bon, je me sens capable. Ok, c'est bon. Ouh, je stresse, désolé. Non, c'est une joke. Ouais, donc récemment, disons, je crois que ça fait à peu près 2-3 semaines, j'avais décidé d'arrêter YouTube. J'avais plus envie moi de faire des vidéos, mais en même temps je trouvais que jeter ma chaîne qui était rendue à 5000 quelques abonnés aux poubelles sans rien faire avec, ben c'était un peu triste. Alors j'ai décidé un peu de la donner à la communauté en la transformant en chaîne communautaire en postant vos vidéos dessus pour essayer de vous aider à monter en abonnés, à monter en vues. Donc tout ce que vous faites une bonne vidéo, vous dites ah tiens j'aimerais bien que je me fasse uploader sur une chaîne communautaire, vous mettez quand vous faites votre vidéo, juste devant la vidéo vous mettez l'intro de notre chaîne, donc la chaîne à moi et Poulet, parce que j'ai décidé de gérer cette chaîne là avec moi et le petit Poulet qui est un ami IRL. C'est bon, on peut aller dans la... Ouais, je viens de le voir, c'est good. Mais ouais, continue dans l'explication, de toute façon ça prend les underpro. Ah c'est bon, j'en ai. Ok, ça va prendre des briquets, je vais juste faire un kit de pillage vite fait. C'est good, j'ai un briquet. C'est un PvP faction cheat les amis, so, c'est un peu normal qu'il y ait plein d'affaires. Là par exemple ça va être compliqué pour reprendre son air à chaque fois. Mais au pire, regarde, on a deux lignes de cœur des pump cheats, so, on prend juste des pump cheats là. Ouais. Pas ben important. So, on va essayer de péter ça les gars, j'espère qu'il y a pas mal de stuff. L'œuf il est dans le milieu, c'est good. Holy crap. Ça, ça va être full obsidienne. Ok, regarde bien, je vais aller à mon home. Mais pas... Ouais, genre, je vais juste tester un home, comme ça on va pouvoir mettre tout le stuff là-bas. Ok, c'est bon. Parce que sinon ça va être trop compliqué. Home, l'aile. Je crois que c'est ça le home, je suis pas sûr. Puis... ah ouais, ok, je me suis fait plier. Les vidéos sont plus amusantes. Juste que la vidéo soit bonne, ça peut être drôle, ça peut être un PvP exceptionnel, ça peut être un tuto, ça peut être n'importe quoi. TP-toi à moi, puis fais ton kit de guerrier. TP-toi à moi, TP yes. Fais ton kit de guerrier, t'auras du bois. Ouais, t'auras un kit de guerrier sûrement. Tu pourras faire un coffre, je pense, parce que moi, je peux pas faire de coffre. T'as-tu du bois?
J'ai ça. Kit, ok, c'est guéri comme ça. C'est même pas écrit guéri, est-ce notice? Attends, ok, j'ai oublié le deuxième R, ok? juge pas, ok? Ah, c'est good, bon. il y a des chests, c'est good. Bon, regarde, on va pouvoir poser des chests. Puis au pire, les gars, je vous donnerai les coordonnées, vous viendrez ici les chercher après, les stuff. Moi, ça me dérange pas, je n'ai pas besoin. What the fuck, il y a un notice qui parle derrière toi. Ah, c'est genre mon frère, ok? Oh my god, ok, je pensais que c'était un notice, excuse-moi. ça va. C'est pas grave. Aussi, des fois, je dis pas. Attends, tac. Comme ça. Chris, je pense qu'il va avoir pas mal de stuff, vu qu'il y en avait pas mal. Tu foutras un home là-bas pour que tu puisses... ici, pour que tu puisses toujours faire des slashbacks puis revenir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fais slash 7 home, tu sais comment faire un home. Ouais, mais d'habitude, okay. Genre, c'est des warps hein, sur des serveurs... Genre chain? Ouais, c'est ça, c'est juste ça, c'est chain... Ouais. Chaincraft, ça s'appelle, je suis pas sûr. Ouais, mais maintenant, c'est rendu un fact, il me semble. Mais ça fait fou longtemps que je parlais dessus. Moi, c'est sur MC Team que je jouais. Ah, ok. C'est old school, ça, mon nom. MC Team, pas tant que ça. Non? Non, c'est vieux, mais maintenant, c'est genre... C'est redevenu à la mode, là. Ah, genre, okay. Depuis que Steampier est retourné dessus, c'est genre shit. Ouais, depuis que Steampier est retourné dessus, là, c'est intense, ok? Genre 200 joueurs tout le temps connectés, là. Ah ouais, Chris, ok. Hey, le bon sens, de serveur là, ok, c'est fait genre minimum... 15 000 piastres. Ben non, mais 100 000 que ça? Facile. Non. 100 000 facile. D'ailleurs. Hey, ok, l'entrée, au début du serveur, fallait que t'aies le plus haut grade pour pouvoir rentrer sur le serveur. Il y avait tout le temps 300 personnes. Le grade est à 25 par mois. Ok, 25 fois 300. Sans compter que c'était pas nécessairement plus que, c'était plus que 300 qu'il avait. Oh my god. Puis ça, c'est à chaque reset, ça, c'est à chaque reset de map. Il resetait la map à chaque 3 mois à peu près. Holy fuck. Le gars, il doit avoir des fucking couilles en or, man. No joke. Hey, ce dude-là, ok, genre, il peut fucking se payer, genre, un char. Une Lamborghini, man. Hey, man, imagine-toi de payer un char avec Minecraft, ok? Aïe, ce serait épique. Oh, ben, c'est good, là, ils vont faire un serveur, c'est good. Fait que ça va coûter 50 euros pour rentrer dans le serveur, les amis, puis à part ça, voilà. Non, mais ouais, c'est épique. Il y a deux joueurs sur le serveur, c'est pas grave, on s'est fait 100 piastres. Aïe, non, mais c'est épique pareil, tu t'imagines, il y en a qui gagnent leur vie avec ça, là. I mean, tu dis presque 100 000 $, là. C'est Chris, c'est un salaire d'une personne qui est docteur, là. Réfléchis, là, c'est quand même fucking d'argent, là. Ouais. Tu sais, je veux dire, même ma mère, elle fait même pas ça dans une année, 100 000 $, là. Ouais, c'est beaucoup, là. C'est le prix d'une fucking maison, presque. Ah non, les maisons, c'est peut-être 200 000 $, 300 000. Ouais, ouais, c'est ce que j'allais dire. Non, 100 000, là, t'as une maison cheap. Ah, il y a plein de popos de hill. Sir? Chill. Ouais, c'est la chambre. Fuck, attends, ok, je... Faut que tu sortes de là. Si je perds des... Ah, si je perds des cœurs, même si je bouge pas. Ah non, ça marche. Ah Chris, il y a max de stuff là. C'est good, c'est good. Je reste tout de suite dans les coffres. Puis après les gars, je vais vous donner les coordonnées vu que je joue pas vraiment sur le serveur. Je vais vous donner les coordonnées, vous viendrez prendre tout ce qui reste. Du pillage. Possiblement, c'est le plus gros pillage que j'ai jamais fait. Il y a du stuff de malade les gars, sérieusement. Les sharpness et tout, c'est du Stephen, ça doit être un VIP, des VIP et tout. Tout c'est chill. Fait que c'est un serveur fact. T'sais, cheat, c'est pas un serveur dans le sens où ouais, tu mines ton stuff, t'sais, tu fais juste te payer pis tu... même, tu vas au spawn pis y'a des... What? Attends, j'ai oublié de me set un home où on faisait le warp. J'ai fait slashback. Attends, je suis coincé. Amène un underpearl, s'il te plaît. J'ai fait slashback, je suis tombé dans le milieu. Ok, attends, y'en a-tu un coffre? Ben, check d'un coffre, sûrement. Sinon, au pire, attends, on va faire ça. Il me semble que j'avais pas d'underpearl, moi j'en avais pas vu. Fuck. Ah ouais, c'est bon, j'en ai vu. C'est bon. Good, TP toi. Amène-en au moins deux, parce que genre, j'ai fait slashback, je suis arrivé en plein milieu de leur base, quoi. Ici, ça doit être où ce qu'ils se pendent, puis ils prennent les enfants dans les coffres. Putain, je vais te donner, et voilà, je te donne... J'ai déjà 16 000 d'XP. Je m'en fous, ok, je t'en donne plus, je suis généreux. Bon, je peux pas en avoir plus, je suis à la limite. No joke. Ah ouais, donne. Putain, c'est bon. Ok, so voilà, je continue, te laisse expliquer pour la chaîne, la Love Chuck, ouais, là. C'est pas mal expliqué, là. Mais en gros, les amis, moi, je vais essayer de vous upload aussi dessus pour essayer de la faire connaître le max possible. I mean, genre, c'est souvent intéressant d'avoir plusieurs chaînes YouTube où ce que... Je veux dire, la chaîne, au lieu de la supprimer et tout, puis perdre les 5000 abonnés, ben, il la redonne à vous. Fait que vous avez une audience de 5000 personnes devant vous quand vous faites votre vidéo. Certes, vous n'allez pas nécessairement avoir 5000 vues, mais si votre contenu est extra, peut-être que vous allez avoir les 2-3000 vues que vous voyez. Ça va faire débuter une chaîne YouTube. Puis après, vous allez avoir des personnes qui vont s'abonner, là. C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est intéressant, personnellement, là, je vais le dire franchement. Moi, je vais faire des tutoriels dessus, puis sûrement pour la communauté, ben, genre pour les factions et tout, là. Surtout vu que moi, c'est ça que je fais le meilleur, là. Oh, est-ce que t'as eu genre le serveur redémarre?
Ouais, je confirme. Ok, ben, je confirme qu'on va revenir, les amis, on fait une ellipse, à tout de suite. Ok, fait que on est dessus. So, ouais, on a pas perdu grand chose. Pas grand temps, ça a pris genre 30 secondes. On a juste eu le temps de s'assassiner parce que j'avais dit une connerie, mais c'est pas... c'est pas grand chose. Ça va péter. Fucker. Chris, encore de la TNT. T'arrives pas à faire ton mot de passe, Omi? Non, c'est bon, ça là, ça a marché, ça a marché. J'étais juste plus sûr de qu'est-ce que j'avais mis. Parce que je me souviens que j'avais mis comme quelque chose de peu respectueux. Genre sus ma queue. Approximativement, ok? Ok, ok. Ça c'est les œufs de Creeper. Très souvent les œufs de Creeper. Ben ouais. Attends, moi j'arrive. Ben, je retourne au home anyway, là, je m'en vais domper les œufs que j'ai, puis je t'y prendrai. Rentrer des œufs, il y en a plein d'un cas de toute façon. Oh, oui. My god, vraiment les gars, c'est le plus gros pillage que j'ai fait sur ma chaîne. Ça fait plaisir de le partager avec toi, mon Love Chuck, parce que je t'apprécie beaucoup. Merci. Moi aussi je m'apprécie. Tu sais, je comprends là, pourquoi tu m'apprécies. Je suis bien aimable. lance-toi pas trop de fleurs, parce que le pot va t'envoler dans la face. Ah, je l'avais jamais entendu celle-là. Elle est pas pire, hein. Garde-la en note. Ouais, c'est bon. Donc, prenez des notes, les abonnés. Vous savez, un bon YouTuber connaît des très bonnes expressions. Exactement. Des expressions du ghetto, wesh. Je suis une putain de racaille. Pas trop de fleurs, sinon ça va t'envoler dans la face. Exactement, le pot m'a... Ça fait très, très ghetto, écoute. Ghetto, ouais. Le gros, arrête de juger mon type de ghetto. De ghetto attitude, tabarnak. Je vais y arriver. Je suis sûr que c'est le mot, le ghetto attitude. Ça l'existe, man, je te jure. Sinon, on va le copyright, puis on va devenir millionnaire, toi puis moi. C'est sûr. Je suis sûr qu'il y a du monde qui veut utiliser ce mot-là. No joke, il y a sûrement du monde qui doit pas savoir parler pour utiliser ce mot. Il y a comme personne, tu peux pas copyright un mot. Ouais. Tu peux copyright des mots. Non. Peux-tu parler moins fort, s'il te plaît? Ouais, je sais. C'est bon, je vais parler moins fort. David, peux-tu parler moins fort, s'il vous plaît? Ah, ta gueule! Ah, j'ai de la cobble pis du bois, tabarnak. Hey man, comment on fait? J'arrive pas à le placer comme du monde, ok? Non, je peux pas. Faut que tu le poses en dessous du truc. Ah, ta gueule! Tabarnak. C'est ta mère, genre? Non, c'est mon petit frère, là, qui est dans le background. Ah ben, dis que femme, ça y est, on joue, esti, là. Ben c'est ça, j'étais en train de dire là. C'est ce qu'il t'a dit lui aussi, je pense. Oh l'enculé. Attends, check ça les gars, on va faire ça. Technique inédit. There you go. So, les gars, sérieusement, comme je disais, c'est vraiment le meilleur pillage de ma chaîne depuis un esti de bon bout. En gros, on est sur le serveur Adoria, j'avais déjà fait une présentation du serveur. Puis, mais maintenant, je crois qu'il a été racheté ou je sais pas trop, en tout cas, pour plein d'armure. Puis 10 et tout. Mais en gros, il y a eu plein de changements, il y a maintenant un lobby et tout. Fait que c'est vraiment chill. Et puis, ben voilà, je joue de quelques fois dessus, je me promène, je fais ma base. Comme cette base-là, je me l'ai fait piller, mais bon, c'est pas grave. I mean, c'est pas super grave, là. Slashback, il est temps. Attends, mais comment tu fais pour avoir deux rondes? Parce que... Moi, en fait, ça dit que tu peux set juste un? Ben, 7 ombres. Moi, genre, juste un 7 ombres, là. J'ai pas... Ok, ben, TP toi de bord. Tu sais, genre, je suis dans le ghetto, là, ok? Ouais, je viens de voir ça. J'ai juste un ombre, ok? Le ghetto ombre. TPS. Oh merci. Ah, c'est gentil de ta part d'accepter. Là, j'apprécie le geste énormément. Tabarnak, ça a pas marché. Aucun problème, ça vient du cœur, mon pote. Ouais. T'as vu comme j'ai parlé comme un mangeur de baguette? Non, ouais, ça vient du cœur, mon pote. Wesh, ici c'est la famille. Fait que là, il faut le placer comment? Ça dépend t'es où, là. En dessous, je te conseille de le mettre genre... Ok, je te montre un truc, là, mais ça, ça va être vraiment hard. Tu poses un bloc sur le mur, tu poses ton œuf de creeper super rapidement, puis tu l'allumes rapidement. C'est 3 étapes super fast, ok? Oh! J'ai max de pump cheat. Holy crap, okay. Les gars. J'ai genre presque un inventaire. C'est en gros, genre, tu poses le bloc de cobble ou un bloc normal, tu mets ton œuf, vite fait. Puis là, t'essaies... Ah, je l'ai fait. Genre, tu mets ton bloc super vite, tu mets l'œuf. Ah, fais encore. C'est genre, une fois sur 10, tu peux le faire. Sinon, tu fais juste le mettre à terre, regarde. Mets-le à terre. Comme ça, dedans. Okay. Là tu l'allumes. Ok. Ah ben là ça a fait exploser tout le stuff qu'on avait fait péter avec le premier, mais bon. Pour les deuxièmes coffres. Regarde, ok, juge-moi pas.
C'est tabarnak. Mais... What? Oh, ici, il y a des œufs de creeper, genre un inventaire plein. Ok, au calme. Je te conseille d'aller prendre de l'air pour te TP. Ben, il fallait pas péter les œufs de creep, esti. Ah, ben oui, oui, c'est vrai. Il faut récupérer le stuff avant. Mais je pensais, j'avais oublié que les... Mais je pensais que comme il y avait de l'eau, ok, il était protégé. C'est comme ça que ça marche, la physique, ok? Ostine-moi pas. La physique, tabarnak. Hey, là, tu vas loin en tabarnak, mon gars. Garde, dans le ghetto, c'est comme ça qu'elle marche, la physique, ok? Ben oui, c'est clair, mon frère. C'est clair. C'est clair comme l'an 40. Home Red. Puis je vais aller au Red. Avec un abo, ok? Ouais. Avec un abo tahitien. Ta gueule, moi aussi, j'ai une abonnée, elle s'appelle Lolo, je crois. Ouais, elle s'appelle Lolo, elle est tahitienne. No joke. Haïtienne, moi c'était un... Non, tahitienne, ouais, Tahiti, okay. Tahitienne, je sais pas comment on va dire ça. C'est ça, tahitien? Tahitien, okay. Tahitienne. Okay. But, trouve le chemin qu'on avait fait, je crois que c'est là. Je pense, ouais, je pense que c'est peut-être par là. C'est juste qu'on a fait péter un peu. Calisse, tu n'as su construire mon pénis, là? Oh, mais j'ai pas de bloc, ok? C'était par... Non, c'est par là. Je te rappelle. Ben j'en suis. Ça venait du cœur, mon gars. Encore. Ça venait du cœur, mon pote, wesh. Ça venait du cœur, esti. Là, faut faire celle-là. Ah, attends, il y a des œufs de creep, là. Ah, tu m'en laisseras un peu. Je pense que j'avais tout droppé là-bas. Que... Esti, t'es autiste. Regarde, je suis un joueur fac professionnel. Je peux pas tester. On va te donner ton baccalauréat de faction. Bon. Fuck you, creeper. Là, tu dois le poser, puis tu dois essayer qu'il remonte. Ok, ben, je suis bon, là. Je crois que tu vas y arriver, mon homme, t'es capable. C'est-tu la première fois... Good job. C'est-tu la première fois que tu fais du faction, no joke, ou... Ben, j'ai déjà été connecté sur des serveurs faction, ok, mais j'ai jamais vraiment joué faction. Ok, ok. En gros, t'étais juste avec tes chums. Ouais, regarde, ok. Hey, t'as tassé... T'as fait exploser mon creeper, tu l'as empêché d'exploser. Excuse-moi. À sa pleine performance, ok? Mais toi avec, oui. Calisse! Ben c'est ma vengeance. Ah, il était en plein dedans, si! Elle va chier! Oh! Oh, damn! Full of psy. Ok, home lol. Holy crap, pas mal de psy, hein? Téléportation annulée. Non, non, mais faut sortir. Non, je pense... non, c'est pas ça. Je pense que c'est juste l'explosion. Parce que moi, je pouvais me TP sans sortir les autres fois. Bizarre, ça. Ah, oh, ouais. Chris, j'y arrive pas, gros. Va falloir que tu me donnes tes pouvoirs. T'arrives pas à faire exploser ou à warp? À faire péter le truc, le coffre. Ah, attends, je vais te montrer. Je suis rendu un professionnel. Merci, merci. Ça me prend débutant. Vraiment ton aide. Un petit débutant, man. Un débutant, un débutant. Puis ça se clore, mon joueur fac, après. C'est enculé. Ben, je vais te montrer ma technique, ok? Fait que là, ok, je vais te faire un tuto en 5 étapes faciles. Premièrement, entrer dans la base. C'est fait. Deuxièmement. Ben, oh, what? Des blocs d'eau. De l'eau, man. C'est super what? Nice. C'est cheap. J'ai de l'eau. Hey, est-ce que tu veux-tu un verre d'eau? Attends, check, tiens. Tiens, de l'eau. De l'eau, est-ce que... De l'eau, tabarnak! Hey, les Africains ont pu en manquer, man! Hostie! Hostie! On leur ramène des blocs d'eau. Ok, vas-y, on va leur ramener ça. Let's go. The fuck? Man, des blocs d'eau. Hey, c'est fucked up, man. Je savais même pas qu'on pouvait en avoir, ça existait. Ben, je savais, genre, si t'as too many items, tu peux l'avoir. Ah ouais, genre, ça... le mode, ça, c'est le mode genre du game mode. Genre... Non, c'est un game mode avancé. Ouais, man. Ouais. Ouais, ok, ça, je pense. Ouais, ben, c'est genre, c'est l'équivalent de game mode, là, dans le fond. Mais c'est juste que tu peux, c'est plus facile pour cliquer sur les items, shit comme ça. Ok, ok. En gros, genre, tu recherches un item, ben tu l'as plus facilement. Là, c'est slashback. Corley. Bon. Ok, ok, hop là. Par exemple, je sais pas, je suis où, là. Est-ce que leur base, elle sera un petit peu détruite, hein? Oh, boom. Shit. Good. Oh, bedrock. Ça, c'est important. C'est super rare à avoir, c'est difficile. Ouais, c'est difficile, genre dans le kit guerrier, t'as 5 stacks. Ouais, mais je veux dire, à part le kit guerrier, t'as rien d'autre, là, je veux dire. Ouais, après, tu me diras, puis les kits guerriers... Le kit guerrier, tu peux genre l'avoir uniquement 24 heures. Je crois, je sais pas. On me l'aide. Je sais, c'est super pas... dur à avoir. J'allais super en avoir 5 stacks uniquement 24 heures sur chaque compte que tu te connectes dessus, sur un serveur, où tu peux te connecter avec... À l'infini. Plusieurs...
Ouais, j'avoue que d'un côté, t'as quand même raison, là. Slash bang. T'sais, genre... Ce serait dur de faire de quoi de plus facile que ça à avoir, là. Ouais. D'un côté, t'as pas tort. Hey, tu lis ce style-là. Voilà. Oh, man. Il reste-tu des coffres ou on a tout red? Ben, j'ai pété le dernier, sauf qu'il est pas encore tout ramassé, là. Parce que je suis un professionnel pour les péter. Je suis un professionnel de Warfang. Ah mais tantôt, pourquoi tu disais qu'il fallait allumer le creeper? Ça, je l'ai pas... Ben, parce qu'en fait, parce que des fois, quand je t'explique, là, c'est là que les sources d'eau sont mal faites, mais parfois les sources d'eau sont plates, genre, tu sais, qu'il n'y a pas de courant, etc. Et puis, faut que tu l'allumes pour qu'il explose. Parce que quand il est dans le coffre, genre, regarde, je vais te montrer un exemple, là, tape le pot, quoi. Tu vois, il est dans le coffre en ce moment, mais il pète pas, tu vois. Non, approche-toi pas. Ça va faire tout péter. Regarde, il est dans le coffre, mais il pète pas. Fait que là, faut que tu l'allumes pour qu'il pète, tu vois ce que je veux dire? Même okay, si on est à côté. C'est pour ça que je disais de l'allumer, peut-être parfois il faut l'allumer, ça dépend. J'avais pas compris. J'avais compris que t'avais dit le mot allumer. J'avais jamais compris pourquoi. Mais c'est parce que tu m'allumes, mon beau. pose des coffres, esti. On manque de coffres. Ben, j'ai pas de coffre. Oh, attends, j'ai trouvé un ghetto coffre camouflé. D'ailleurs. Check. Attends, suis-moi, man. Check. Ah ouais, c'était mon coffre, ça. C'était mon coffre que j'avais mis plein de trucs importants dedans. Moi, je faisais genre tout le chemin. Ben, t'as dit plein de trucs importants dedans. Il y avait genre un stack de terre. Okay. C'est ce que je disais, esti. C'est important, tabarnak. T'en as besoin de faire des fucking plantations. Arrête, ouais, man. C'est vrai. Faut arrêter. Genre, la bedrock est dure à avoir. Mais la terre. Oh, tabarnak. Là, c'est les real shit, là. La terre, les gars. La terre, tabarnak. On va juste y aller une dernière fois. C'est slashback pour y aller. Juste y aller une dernière fois. On va voir qu'est-ce qu'il reste à récupérer. Puis on va se laisser là, les amis. C'était vraiment un plaisir de faire une vidéo avec toi, mon petit Love Chuck. Je suis pas ton petit Love Chuck, là, quand même. Là, il y a des limites, ok? Tu mesures combien? On va voir. On va voir. Tu mesures combien? Ben, je suis pas ton Love Chuck, ok? Je n'ai pas de propriété. D'accord. Je t'apprécie, mais je suis pas le petit Love Chuck. J'appartiens à personne, ok? Je suis un gangster. Un gangster. Oh shit, le gars. Il... hey, attends, s'il te plaît. Le gars, t'avais 7 ans et demi, puis t'es aidé sur Disney Channel quand ça prend 8 ans pour y aller, c'est ça? Et depuis ce jour-là, t'es vraiment un ghetto du ghetto, là, c'est ça? Ah ouais, un gangster. Oh man. Un rebelle. Oh non, il va me faire blow. Ouais, écoute, je pense qu'on va. Je pense que. Ouais, je pense qu'on va faire tout exploser, puis on va faire la vidéo là. C'était quand même une belle base, je veux dire, c'était bien pensé, là, l'eau, la bedrock puis tout. Mais ça n'a pas très fonctionné. Ça n'a pas très fonctionné contre les pros du PP Faction. Contre le seul unique, le Love Chuck, le reste du Faction. On va être top FR en Faction, là. Yo, what's up, les gars, on se reprend. Je vous ai laissé sur les rires parce que je trouvais ça drôle de vous laisser en train, quand pendant qu'on est en train de rigoler. Puis voilà, fait qu'en gros, on va faire un petit intro vu que l'intro était trop long, on a décidé de la recommencer à durer genre 7 minutes. Ouais. So, on va y aller vite fait, je vais juste vous dire d'aller voir la chaîne de Love Chuck, la Love Community. Vous abonner pour qu'il y ait plus... Sinon, je vais tomber en dépression. Sion, exactement. S'il vous plaît. Et puis, puis voilà, j'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Restez abonnés, les amis, ou abonnez-vous si vous êtes des nouveaux sur la chaîne YouTube pour voir plus de pillages. Et puis, on va se dire à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Icons, accompagné de Love Chuck. Je te laisse le dernier mot de la fin. Bye.